观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。近日有网络传言称，由于疫情原因，国家要求快递业在1月8号左右开始陆续停业。上海辟谣平台收到不少留言询问真伪。中通、圆通、顺丰等上海多家快递企业答复表示，目前企业和网点并没有接到相关通知，也没有停业和提前放假的打算。57,5% c'est le sondage des utilisateurs de Twitter qui se sont prononcés pour la démission d'Elon Musk de la direction de Twitter. Cela représente 10 millions de personnes. C'est le résultat d'un sondage pourtant organisé par Elon Musk lui-même au nom du respect de la volonté populaire qui lui est chère. Ce sondage demandait aux utilisateurs de Twitter si Elon Musk devait en quitter la direction. Affaire à suivre.推特首席执行官马斯克于当地时间12月18号发起了一项民意调查，询问他是否应该辞去公司负责人一职，并称他会遵守民意调查结果。截至投票结束，共有1750万用户参与了投票，其中57%的人支持他辞去推特首席执行官一职。Lundi 19 décembre, c'est la date du retour au pays de l'équipe de France.Les Bleus ont pris l'avion vers 15h, heure locale de Doha, c'est-à-dire 13h en France. Ils sont attendus à 19h30 à Paris, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Selon la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, les joueurs souhaitaient se rassembler avec leurs supporters après leur cruelle défaite en finale face à l'Argentine.当地时间12月19号，在布鲁塞尔举行的欧盟能源部长会议达成协议，将天然气价格上限定在每兆瓦时180欧元。此前，欧盟各国对于天然气价格上限一直无法达成一致，有些国家认为定价太高，起不到预期的效果，有些国家觉得设定价格上限是在搬起石头砸自己的脚。Selon le Figaro, la politique s'est rapidement invitée dans la défaite des Bleus. Dimanche 18 décembre au soir,Emmanuel Macron a multiplié les gestes de soutien à l'égard de l'équipe de France battue par l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Quelques minutes après la fin du match, le chef de l'État est même allé sur le terrain pour réconforter Mbappé. Cette séquence, qui montre un joueur impassible et envahi par la tristesse, a enflammé la toile.据韩国当地媒体12月19号报道，全球第二大动力电池生产商韩国 LG 新能源表示，到2026年，公司将投入4万亿韩元扩大在韩国的电动汽车电池的生产。这些资金将用于建设公司在奥昌工业区新的电池生产设施。奥昌工业区位于首尔东南的青州市。目前 ，LG 新能源已经在奥昌运营了一家生产圆柱形电池的工厂。C'est une nouvelle peu réjouissante pour les voyageurs qui prévoient de prendre le train pour retrouver leurs proches à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le lundi 19 décembre, le collectif de contrôleurs de la SNCF a annoncé le maintien de son préavis de grève pour Noël et le Nouvel An, avec l'appui de Sudrail et de la CGT Cheminots. En revanche, ces deux syndicats ont décidé de ne pas appeler à la grève des contrôleurs pour les week-ends de Noël et du Nouvel An, tout en maintenant leur préavis, car ils veulent laisser à chacun la possibilité de se joindre ou non à leur mouvement.三联板中国医药健康产业股份有限公司再发风险提示公告，公司主营业务无重大变化，辉瑞新冠药对公司经营业绩也无重大影响。12月19号晚间，中国医药公告表示，继12月15号、12月16号连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%后，12月19号该公司股票再次涨停。
Direction la Chine, le pays a enregistré lundi ses premiers morts depuis l'assouplissement de la politique zéro Covid, alors que les hôpitaux et les crématoriums de Pékin sont débordés par une vague de cas sans précédent. L'ampleur de cette vague de contamination est toutefois impossible à déterminer, et pour cause, les tests de dépistage ne sont désormais plus obligatoires. Des experts craignent que le pays soit mal préparé à la vague d'infection liée à cette réouverture, alors que des millions de personnes âgées et vulnérables ne sont toujours pas vaccinées selon le Figaro. Une information qui reste cependant à vérifier par souci de vérité.12月19号下午，北京地铁公司官方微博发布消息称，自国家和北京新十条政策实施以来，北京地铁公司认真学习贯彻落实党中央、市委、市政府决策部署和要求，持续强化常态化疫情防控措施，不断加强站车通风、环境消杀等工作，坚持通风时长、消杀频次、消杀点位等相关工作标准不放松，保障乘客安全出行。Le soutien militaire du Royaume-Uni à l'Ukraine ne faiblit pas. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, doit annoncer lundi la livraison à l'Ukraine d'une importante quantité de munitions pour l'artillerie au cours d'une réunion avec les dirigeants d'Europe du Nord, baltes et néerlandais en Lettonie. Au programme de leur discussion, les efforts en cours destinés à contrer la Russie dans les régions nordiques et de la Baltique. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. Merci de nous avoir suivi, nous vous dis à bientôt.